E Je reste le primitif de la voix que j'ai découverte. Louis Auguste Cézanne, d'origine piémontaise, d'abord chapelier est devenu un opulent banquier d'Aix-en-Provence. Il achète une maison située dans un parc à la sortie de la ville, le Jas de Bouffon. Son fils Paul a 20 ans. Pour décorer le salon familial, le jeune peintre invente les quatre saisons. Au fond, derrière l'automne, une montagne. Au cours de plusieurs séjours à Paris, Cézanne retrouve le meilleur ami de son enfance sexoise, Émile Zola. Il peint des portraits, des natures mortes, il copie de la croix au Louvre revenant régulièrement à Aix, il décompose des paysages aux tons denses. Au fond du panorama, parfois, la silhouette d'une montagne. Cézanne peint aussi des scènes étranges, orgies, bacchanales, meurtres. Un tableau pour Zola, Pluton entraîne Proserpine aux enfers. À l'arrière-plan, une montagne maçonnée au couteau. Un paysage industriel près d'Aix. À l'arrière-plan, la ligne bleue du même massif. Cette fois, il s'agit, bien reconnaissable, de la Sainte-Victoire, la montagne qui se dresse aux portes d'Aix. François-Marius Granet, au début du XIXe siècle, met en scène la montagne avec une obstination qui préfigure celle de Cézanne. Au musée Granet, le musée des beaux-arts d'Aix, Cézanne a vu ses tableaux. 60 millions d'années auparavant, il n'y a que mer, lagune ou marécages peu à peu sédimentés. Cette croûte se soulève, se plisse, monte haut dans le ciel. Les plis calcaires se couchent, se brisent, s'érodent. Leurs cassures forment sur la plaine une barre de 12 km de long. Invasion des Teutons, des Ambrons, reprise du pays par César, citadelle, euh, batailles obscures. Le nom viendrait d'une victoire de Marius sur les Teutons en 102. Certains pensent qu'il serait plutôt une déformation de Venture, divinité du vent. Au XVIIe siècle, un négociant ex-soi fait restaurer la chapelle du Mont Venture et la dédie à Notre-Dame de Victoire. La montagne désormais sera sainte et victoire. La croyance populaire a peuplé grottes et ravins de personnages fabuleux. Tout près de l'un des sommets, le gouffre du Garagaï, serait la bouche d'un volcan qui parfois se réveille. Marius y aurait précipité 300 prisonniers Teutons. La chèvre d'or y cabriole. À Paris, Cézanne a rencontré Hortense Fiquet. Ils viennent vivre à l'Estac près de Marseille. En 1872, Hortense lui donnera un fils, Paul. Il revient souvent à Aix, cachant sa liaison à son père. Arrive le chemin de fer qui tranche une colline, tout près du jardin de Bouffant, traduite par le peintre émotif comme une cicatrice sanglante. Dominant le paysage, équilibrant le vide créé par la tranchée, Sainte-Victoire. Au cours des années qui suivent, Cézanne travaille à Pontoise et à Auvers-sur-Oise avec Camille Pissarro. Pissarro l'initie à la peinture en extérieur. Il lui apprend à discipliner ses pulsions les plus profondes en s'affrontant aux motifs. Le peintre développe aussi le thème des baigneurs. Souvenir impressionniste de ses baignades d'adolescents dans l'arc avec ses amis Émile Zola et Baptiste Baille. Dans ses compositions que Cézanne poursuivra en série jusqu'à sa mort, parfois la montagne. Il consacre plusieurs toiles au village perché de Gardanne, au sud d'Aix, où il habite un temps avec Hortense et le jeune Paul. Il explore aussi les hameaux vers Sainte-Victoire. Vue du sud, la montagne apparaît comme une falaise régulière répétant les strates minérales du paysage. Gamme limitée des couleurs, aridité, simplicité des lignes, Cézanne développe un nouveau style, une sorte de primitivisme. Cézanne s'installe au Jardin de Bouffon, il a régularisé sa situation avec Hortense en l'épousant. Son père meurt, lui laissant un solide héritage. Nature morte. Il peint surtout en extérieur et souvent dans le parc. À l'arrière-plan, traité en touches fluides, le ciel pâle et la silhouette gris bleu de Sainte Victoire, le sommet caché par un bouquet d'arbres. Montagne encore lointaine, comme interdite. 1886, Zola publie l'œuvre, roman dans lequel il met en scène un peintre de génie mais raté et qui finit par se suicider. Le romancier s'est inspiré de Manet, de Monet, mais surtout de son ami d'enfance Cézanne. C'est la douloureuse rupture d'une amitié de 30 ans. Timide, détestant être dérangé par les curieux, considéré comme excentrique, peu apprécié des ex le pâtre veut travailler dans des lieux isolés. Une de ses sœurs achète une grande propriété à moins de 2 km au sud du Jas de Bouffant. Cézanne peint la ferme et le pigeonnier de Bellevue. Là aussi, il entreprend plusieurs vues de Sainte-Victoire. Elles seront suivies pendant 20 ans de beaucoup d'autres. La montagne, vue depuis une dizaine de points autour d'Aix-en-Provence, tous situés à l'ouest. Motif. Le mot évoque la décoration textile, la musique, donc la répétition. 45 aquarelles, 36 tableaux aujourd'hui dispersés dans de nombreux musées du monde. Amsterdam. Sous cet angle, le massif prend la forme d'un triangle tronqué. Le paysage est désert, organisé en ensembles réguliers et compacts. Un nuage rose aux formes féminines. Philadelphie, Fondation Barnes. En descendant vers des champs cultivés, Cézanne fait monter la montagne et les collines dans son champ de vision. Londres, collection Bergrune. Il n'y a plus de surface unie, mais un amalgame de petites touches obliques. Édimbourg. Un peu plus au sud de Bellevue, au lieu-dit Montbrillant. Le plateau se prolonge par une colline boisée qui surplombe la vallée de l'Arc. Paris. Cézanne peint la d'un point élevé de la colline, une citerne en terrasse dont il montre le rebord. A droite, le viaduc du chemin de fer franchit l'Arc en faisant une ample courbe vers Aix, située à gauche derrière les arbres. La courbure de ce viaduc fascine Cézanne, qui, dans cet axe, perçoit l'ouvrage de face et donc presque rectiligne. Cézanne ne cherche plus, méthode classique, à rendre le relief en modelant les ombres et les lumières il applique côte à côte des touches rectangulaires de même module, engendrant un effet de tapisserie. Il ne s'agit plus de modeler, mais de moduler. Le peintre accorde ses tons de proche en proche, selon la logique interne du tableau, d'où sa lenteur légendaire. Si je passe trop haut ou trop bas, tout est flambé. Il ne faut pas qu'il y ait une seule maille trop lâche, un trou par où l'émotion, la lumière, la vérité s'échappe. Je mène, comprenez un peu, toute ma toile à la fois, d'ensemble. Je rapproche en même élan, la même fois tout ce qui s'éparpille. Sur la gauche, un grand pin parasol isolé, un peu courbé. On le retrouve sur plusieurs dessins, aquarelles et tableaux. New York. Le peintre a descendu la colline et s'est approché du grand pin. Situé maintenant dans l'axe de courbure de l'arbre, il le voit rectiligne. Le principal dans un tableau, c'est de trouver la juste distance. L'arbre se trouve à une trentaine de mètres. Le hameau de la Beauval est à un peu plus d'un kilomètre. Le centre du viaduc, à trois kilomètres. La colline des Grands Carmes, à sept. La crête du Sangle, à onze. Et le sommet de Sainte-Victoire, à treize kilomètres. Dans la réalité, le paysage est donc profond, plutôt vide et le relief modéré de la montagne attire l'œil vers les lointains. Or, vu par le peintre, ce paysage semble moins creusé et en même temps beaucoup plus plein, car Cézanne triche avec la montagne, la rapproche, la grossit, la rend plus présente par toutes sortes d'artifices. Ainsi, il lie entre eux des espaces différents. Comme le viaduc joint les deux bords de la vallée de l'arc, le tronc de l'arbre du centre et les masses sombres des branches soudent les premiers plans du paysage à l'arrière-plan. Les lignes fuyantes qui pourraient creuser la profondeur sont éliminées. Seules plusieurs lignes diagonales polarisent le tableau vers la gauche, réduisant encore l'élan vers le fond. Enfin, les formes se font écho. La route sinueuse semble un reflet des courbes de la montagne. Les branches du pin elles-mêmes, proches de l'œil du spectateur, font écho aux pentes éloignées. Cézanne s'est donc servi de la montagne et des collines pour refermer et envelopper son paysage, réduire la force agressive de ses axes, le stabiliser, en faire un monde autonome dont tous les éléments sont liés par des relations plastiques. Espace unifié, équilibre des lignes, des masses et des couleurs, Cézanne s'inscrit dans la tradition du peintre qu'il admirait le plus et chez qui justement la montagne joue souvent un rôle fondamental. Je veux refaire du poussin d'après nature. Il ne s'agit pas de retrouver l'ordre du grand siècle, ni les techniques d'illusion et de rendu des matières, mais de recomposer un nouveau classicisme en liant à la fois motifs et sensations. Cézanne peint ses paysages en éliminant histoire, anecdotes, pittoresques et même personnages. Exceptionnel dans les paysages de Sainte-Victoire, au premier plan sur la route, un personnage voûté semble s'avancer. Washington, Phillips Collection. Plus bas, en lisière de la pinède, le même paysage. Courbe des branches, courbe des montagnes, s'allie à la façon des estampes japonaises. Londres, Institut Courtaud. Les Saintes Victoires forment donc des séries. Cependant Cézanne ne cherche pas, comme Monet au même moment, à rendre compte des variations mouvantes de la lumière. Pour Cézanne, le paysage de Sainte-Victoire est sans doute d'abord une expérience formelle. Creuser l'espace, l'analyser en ses moindres parcelles selon des principes impressionnistes, tout en le refondant dans un nouvel ordre architectural. Mais cette expérience n'aurait pas été complète si Cézanne n'avait aussi tenté de transcrire non ce qu'il voyait, mais ce qu'il ressentait. Dans le peintre, il y a deux choses, l'œil et le cerveau, tous deux doivent s'entraider. Il faut travailler à leur développement mutuel, à l'œil par la vision sur nature, au cerveau par la logique des sensations organisées, qui donnent les moyens d'expression. Organiser les sensations, c'est vivre une véritable expérience spirituelle. Cézanne arrive, le regard vierge devant le motif, il voit par tons minuscules, il morcelle, ses sensations. Chaque petite touche concentre vision plastique, sensation et souvenir. Et aussi pensée pure, recherche d'un sens caché de la nature. La touche cimente le monde, lui donne une structure, un sens peut-être. Moscou. Enfin, le peintre s'arrête au bas de la colline. Le changement de place du chevalet. A entièrement transformé le paysage. Sur un plateau qui, au sortir d'Aix, précède la montagne, s'ouvrent les carrières de Bibémus. Cézanne y loue pendant un temps un cabanon. Le peintre se passionne pour les oppositions entre les teintes chaudes de la roche et les teintes froides des feuillages et du ciel. Ravins, caverne, fissures ambiguës, forme curieuse, fragments informels. Et toujours la montagne. Baltimore. La montagne est comme surgie de la falaise jaune. La fissure inquiétante témoigne de l'éclosion. Et, hasard du cadre, la gamme chromatique est d'une grande vivacité, opposant avec violence des couleurs complémentaires, orange et bleu, rouge et vert, jaune et violet. Le sommet, surgi de ces conflits titanesques, n'est plus comme chez Poussin le piédestal des dieux, il est devenu un dieu lui-même. À cette époque, Cézanne vit seule, en sauvage, séparée de sa femme et de son fils, qui habitent le plus souvent Paris. Un de ses axes préférés est la route du Tolonais, petite route départementale, joignant Aix au hameau du sud de la montagne. Cézanne peint sur le bord de la route, à une centaine de mètres d'un couple de grands pins parasols visibles sur les photographies anciennes. Saint-Pétersbourg. La montagne emplit la toile. Une maison, fragile volume, trace d'humanité, face à la masse inébranlable de Sainte-Victoire. Et la route courbe qui invite à s'enfoncer dans la montagne. Une montagne aux pentes rendues plus abruptes. Cleveland. Même route, même pain parasol. Lire la nature, c'est la voir sous le voile de l'interprétation par tâches colorées, se succédant selon une loi d'harmonie. Sur la route du Tolonais, à gauche, un chemin monte à travers l'épinède vers Château Noir. Grande bâtisse inachevée aux fenêtres en ogive. Cézanne y loue une pièce pour entreposer son matériel et ses toiles. Rime entre couleurs fauves et couleurs froides. Rythme entre verticales et diagonales. Méditation mystique d'un solitaire face à la nature, errance dans le désert. Je travaille opiniâtrement. J'entrevois la terre promise. Serais-je comme le grand chef des Hébreux ou bien pourrais-je y pénétrer L'œil confronté à un continuum de zones plates et mouvantes ne parvient pas à situer les couleurs qui semblent tantôt proches, tantôt lointaines. Et chaque zone de couleur est elle-même composée de nombreux modules jointifs. La touche marque à la fois un fragment de la nature, une profondeur, une ombre, une couleur. Detroit Grosse Pointe-Shore, Michigan. Enfin, il n'y a plus que le sommet au-dessus de reliefs nus, comme un cristal dur composé de grandes traînées aux teintes délicates. La montagne, avec ses plis, ses strates, dans son évidence géologique. Paris. De ces mêmes points, Cézanne réalise aussi de nombreuses aquarelles. En 1901, Cézanne, prématurément vieilli par le diabète et le travail obstiné, continue à vivre dans le centre d'Aix. Il se fait construire un atelier sur les hauteurs des Lauves au nord de la ville. Il y peint la plupart de ses dernières natures mortes. Il est désormais célèbre. De jeunes peintres viennent le voir. Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai. À quelques centaines de mètres de l'atelier, la vue est large sur la campagne et sur la montagne. Cézanne est en train de peindre une de ses Saintes Victoires, vue des Lauves, dont il donnera de nombreuses versions. Aquarelle et huile. Pente sud abrupte, face nord en pente douce. Un prisme régulier en perspective fuyante, reporté sur la toile, ce volume complexe donne un triangle rectangle. Triangle obsessionnel, signe magique qui survit seul dans un paysage dévasté. New York, collection Perlman. La sensation colorante a fait exploser la touche bien ordonnée, l'énergie de la couleur déborde, flamboie, efface les objets, réunit la terre et le ciel, le jour et la nuit. Zurich, musée. Une préparation grise partout visible qui forme de grandes réserves trop claires, comme si le peintre ne parvenait plus à joindre les touches de son tableau. Irruption du discontinu. Zurich, collection Burle. <music> Philadelphie, musée. Philadelphie, collection Annenberg. Les contours sont peu à peu effacés, les volumes deviennent mobiles, pulsants. Kansas City. Violet, vert, ocre et bleu. Violence des contrastes, imminence du désastre. Le verre envahit le ciel. Le paysage n'est plus qu'une explosion chaotique de touches guerrières où les ocres et les verres se heurtent. Champs de bataille striés de touches lavande qui semblent tomber de la montagne. Ténèbres qui rongent l'espace. Bâle, musée. Montagne volcan, univers en furie. Le tableau n'est plus une image, mais un, un monde en soi, façonné par sa propre logique. Il est devenu autonome. L'espace n'a plus de limites, il est multiple, infini, il fait peur. Les choses sans bornes de la nature m'attirent. Bâle, collection Bayoneur. Un jour, sur le motif Une pluie froide d'automne, un blanchisseur trouve le peintre inanimé, le ramène chez lui dans sa carriole. Cézanne se relève pour peindre son jardinier. Il meurt quelques jours plus tard. Sainte Victoire Le monde miniature de la nature morte est lui-même reflet de la montagne. Chemin, montée, rebord, précipice, équilibre et déséquilibre. Les plis blancs et raides des lins empesés renvoient aux plis de calcaire et de marbre de la muraille omniprésente, presque éternelle en regard de la vie des hommes. Les couches géologiques sont comme les couches de la mémoire. Seule la géologie arrête le temps, le fige. Mais dans cette immobilité, il y a encore les turbulences de la terre convulsions, chaos, éruptions. Et peut-être avec la montagne le peintre revient il à la sauvagerie de ses débuts. Le meurtre a lieu au cœur de la nuit, sur les pentes d'un mont obscur. Dans l'enlèvement, le massif aux fortes pentes est le repère infernal vers lequel Pluton entraîne Proserpine. La montagne, avec ses gouffres, ses ravins, ses cavernes, a donc d'abord été perçue comme un univers noir, féminin, un tableau de 1875-1877, L'éternel féminin, met en scène autour d'une femme nue, offerte sous un dé ouvert, divers personnages de la comédie sociale. En retrait, un peintre. Sur son tableau, il n'a encore mis en place qu'une simple forme, une forme de montagne. Mais le côté noir engendrait son revers lumineux, olympien. La montagne est aussi prisme, cristal rayonnant qui capte la lumière du soleil et qui lentement purifie le peintre de ses maléfices. Sainte victoire, une sainteté obtenue par la peinture. Une victoire du peintre sur les Exois, sur les amis d'enfance qui l'ont trahi, sur les autres peintres. La montagne de ces années, son Olympe, son Sinaï, son Fujiyama. Et plus encore. Un pédocle, fasciné par son volcan, finit par se jeter dans l'Etna. Cézanne se tue peindre sa montagne. Il n'est plus qu'à la peinture, il n'est plus que peinture, il s'identifie à son motif. Il est lui-même devenu ce pli énorme de calcaire qui se dresse et se déverse, vague de terre immobile et pourtant en mouvement.